naima zamu zama lamu tika naima zamu zama lamu zama lamu zama lamu zama lamu zama lamu. Oui, shalom peuple de Dieu. Nous sommes très contents de nous retrouver chez vous pour partager ces messages de la part de Dieu. Et avant d'aller plus loin, nous voulons rendre grâce à ce Dieu dans une minute de prière. Père très saint, encore une fois, nous te disons un grand merci. Toi qui as fait de nous des résidents de ton royaume, toi qui as fait de nous des membres de ta famille royale, toi qui as fait de nous une race qui est plus que vainqueur. Merci parce que dans ces combats contre le coronavirus, c'est nous qui sommes de plus en plus des vainqueurs et des champions parce que nous constatons le recul de ces coronas et sa désintégration totale. Père, nous recommandons ce message à ta grâce. Inspire-nous, parle-nous, édifie-nous afin qu'au terme de ce message, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, nous sommes très contents de nous retrouver pour partager ces messages. Oui, depuis un certain temps, nous parlons de ces combats contre le coronavirus. Et nous sommes dans un très bon chapitre qui nous parle sur la force de l'alliance de Dieu. Nous sommes dans une alliance incroyable avec Dieu. Une alliance à portée incroyable. Une alliance scellée à la croix. Une alliance dans laquelle nous trouvons un sang qui parle, qui continue à parler à notre faveur. L'alliance montre toujours celui qui est derrière nous. Nous avons un allié qui ne peut pas être comparable avec qui c'est ce soir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans chaque combat de la vie, que ce soit contre le corona, que ce soit devant n'importe quelle montagne, devant n'importe quelle difficulté, l'alliance s'élèvera, l'alliance criera, l'alliance parlera. Nous sommes en train de partager sur cette force qu'incarne l'Alliance. Et nous avons vu les paquets que contient cette Alliance. Nous avons trouvé que l'Alliance nous dit que nous sommes dignes de recevoir la force, la richesse, la sagesse, la gloire, la louange, l'honneur, et à cette bénédiction pour laquelle l'Alliance crie. Et si vous êtes dans cette Alliance, Dieu vous dira, chaque jour quand vous réveillez, mon fils, vous avez été trouvé digne de recevoir l'honneur, la gloire, la force, la richesse. Quel merveilleux cadeau, quel merveilleux don que Dieu a mis à notre disposition. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes sauvés, nous devenons les reflets de ces paquets qu'incarne l'Alliance. Et c'est pourquoi il faudrait que cette Alliance soit activée et pratiquée dans notre vie, pour que nous puissions devenir des véritables bénéficiaires. Et avant d'aller plus loin pour ce matin, nous voulons partager quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28. Nous allons lire le verset 47 et le verset 48. Deutéronome 28, 47 et 48. La Bible dit, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Gloire à notre Dieu. La Bible dit,
pour n'avoir pas servi ton Dieu dans l'abondance de toutes choses, avec joie et de bon cœur. L'alliance, pourquoi Dieu a signé l'alliance avec nous? C'est pour que nous puissions le servir. Et comment Dieu veut que nous puissions le servir? Avec joie et de bon cœur, pas par contrainte, pas avec des murmures, pas avec des critiques, pas avec la paresse, pas avec la négligence, mais Dieu veut que son service soit un plaisir, que vous ayez de la joie à servir votre allié, que vous ayez de la joie à travailler pour celui qui lui-même a préféré faire de vous un allié de taille sur la terre, parce que d'abord, il a fait de nous des résidents de son royaume. Donc, tel que nous sommes là, la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Gloire à Dieu. Nous sommes sur la terre, nous sommes au Congo, peu importe là où vous vous retrouvez, mais l'Alliance nous dit que peu importe là où nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes dans ce monde pour peu de temps, peut-être 100 ans, si c'est beaucoup plus, peut-être même au-delà, mais l'éternité, c'est avec Dieu. Dieu a fait de nous ses partenaires sur la terre. Nous sommes là pour travailler pour lui. Nous sommes là pour incarner les vertus du royaume des cieux. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des choses que Dieu a prévues pour que chacun d'entre nous, pour que chaque résident du royaume des cieux se retrouvant sur la terre, accomplisse ces choses avec joie et de bon cœur. Bien-aimés, vous n'allez pas passer votre vie sur la terre en train de ne travailler que pour vous. Réfléchissez à tout ce que Dieu vous donne. Vous avez l'abondance des souffles de vie. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas payé de souffle de vie. Vous l'avez. Dieu veut que vous puissiez le servir. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous respirez. Ce n'est pas grâce à votre force. Ce n'est pas grâce à votre savoir-faire. Ce n'est pas grâce à votre intelligence. C'est parce que le Dieu de la Bible vous a donné le souffle. Il faut louer l'Éternel avec ça. Dieu vous a béni dans un domaine, dans un autre. Il vous a donné une intelligence. Il vous a donné une certaine capacité. Il vous a donné certaines opportunités. En contrepartie, il attend que sur la terre, vous puissiez travailler pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Je n'ai jamais vu un ambassadeur dans un pays qui travaille pour ses propres intérêts. Il sera carrément viré. Mais chaque ambassadeur dans un pays travaille pour l'intérêt de son pays. Bien-aimé, réfléchissez un peu. Pourquoi ne pas travailler pour les intérêts de celui qui nous a envoyés, pour les intérêts de celui qui a dit qu'il est notre allié? Pourquoi ne pas s'engager? Pourquoi ne pas s'associer à lui et travailler? Nous exerçons les fonctions d'ambassadeur, comme si Dieu travaille avec nous. Et Dieu veut que nous puissions réconcilier le monde avec nous. La conséquence, c'est que Dieu dit, pour n'avoir pas travaillé au milieu de l'abondance de toutes choses, avec joie et de bon cœur, tu travailleras parce que tu as refusé de travailler pour celui qui est ton allié. Tu travailleras pour ton ennemi. Et comment? Dans la faim, dans la disette de toutes sortes, dans la faim, dans la nudité. Voilà pourquoi beaucoup se sont retrouvés dans des conditions dans lesquelles ils ne pouvaient pas se retrouver, tout simplement pour n'avoir pas accepté de travailler pour Dieu. Bien-aimés, nous sommes sur la terre pour peu de temps, mais l'éternité, nous la passerons avec Dieu. Pourquoi ne pas investir pour l'éternité et investir seulement sur la terre? Peu importe ce que nous pouvons avoir sur la terre, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons amassé, mais c'est ce que nous avons fait et ce que nous avons amassé. Nous pouvons avoir amassé des biens, nous pouvons avoir des véhicules, nous pouvons avoir des maisons, tout ça, peu importe ce qui, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui va nous suivre, c'est ce qu'on aura fait de tout ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit que dans un cortège funèbre, on n'a jamais vu un camion de déménagement. Derrière un corbillard,
vous ne verrez jamais un camion de déménagement. Il n'y a rien qui pourra vous suivre. Seules vos œuvres, seules ce que vous aurez fait durant votre vie sur la terre, c'est cela qui va vous accompagner dans l'éternité. Voilà pourquoi la force de l'Alliance, c'est non seulement ce que Dieu fait pour vous, mais c'est ce que vous faites aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, vous me servirez, je bénirai votre père et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Peuple de Dieu, j'aimerais ici réveiller quelqu'un pour lui dire, il n'est pas tard de commencer à servir Dieu. Il n'est pas tard de s'engager à témoigner Dieu, de parler de Dieu avec joie, de parler de Dieu de bon cœur. Il ne faut jamais avoir honte de parler de celui qui est mort pour voir la croix. Il ne faut jamais avoir honte de parler de celui qui a donné sa vie, de celui qui nous a remplacés à la croix. C'est nous qui devrons être condamnés. C'est nous qui devrons être punis. Mais lui, il a pris notre place. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a pris votre place à la croix? Est-ce que vous savez que le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est tombé sur lui? Quelqu'un a pris notre place. Voilà pourquoi nous sommes, la Bible dit, maintenant il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que quelqu'un a été condamné à notre place, peuple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'engager, il faut s'élever et dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir perdu beaucoup de temps pour n'avoir pas compris qu'il faut travailler pour vous. Oui, on a gaspillé beaucoup d'énergie, on a dépensé beaucoup de forces et de moyens seulement pour nous-mêmes. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Salomon. Il a construit un seul temple pour Dieu. Dieu l'a béni, lui a donné de grandes richesses. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ces richesses? Il a construit 700 temples pour ses femmes. Il a élevé 700 autels pour ses femmes. Mais pour Dieu, il n'en avait fait qu'un. Et après, il est entré dans la folie. Il en a bâti 700 temples pour ses concubines, pour ses concubines. Non, peuple de Dieu, l'essentiel n'est pas d'avoir bien commencé, mais il faut bien terminer. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ce matin que le Dieu de la Bible vous aime. Vous êtes dans une alliance avec lui. Il y a tout un pari qu'il vous réserve. Sa main puissante est avec vous. L'alliance nous dit qu'à cause de l'alliance, 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 peuvent tomber à gauche. Vous ne serez pas atteints à cause de l'alliance. En contrepartie, il faut travailler. La Bible dit, pour n'avoir pas voulu servir Dieu, il y a des choses dans lesquelles vous risquez de tomber. Quel est votre choix? Vous n'avez pas de choix. Moi, je vous encourage à faire le bon choix. Le bon choix, c'est de servir Dieu. Levez-vous ce matin. Repentez-vous. Revenez à l'Éternel. Engagez-vous. Entrez dans cette alliance. Prenez votre courage. Commencez à parler de Jésus. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas après ce message? Partagez, dites à votre voisin, à votre ami, que moi j'ai un allié qui n'est pas n'importe qui. Un allié qui ne m'abandonnera jamais, qui ne me délaissera jamais. Un allié de taille, Jésus-Christ. Il vous aime. Engagez-vous, travaillez pour lui. Gagnez les âmes, priez pour l'œuvre de Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu, travaillez pour les intérêts du royaume. Et le Dieu de la Bible vous accompagnera, il vous élèvera. La Bible dit, voici, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il servira très haut. L'Alliance fera de vous une grande personnalité dans ce monde. Oui, je sais que l'Alliance est une force. Elle sera aussi pour vous une force. Elle sera une force pour votre famille. Elle sera une force quand vous serez affaibli. Elle sera une force quand la maladie viendra. Elle sera une force quand les forces des ténèbres vont vous environner. L'Alliance criera et vous sortirez vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur. Dieu est là, je vous aime bien. J'ai prié pour que cette alliance, la foi de l'Alliance, vous aide à sortir de toutes les emprises des forces maléfiques, que tous les assauts des forces maléfiques qui vous tourmentez soient détruits au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui était tourmenté par un problème, par une maladie, que ce soit une maladie de cœur, que ce soit la tension, que ce soit le diabète, que ce soit le tubère, quelle que soit la maladie, j'ai pris ce matin que la force de cette alliance vous touche et je vous déclare guéri au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu
soit avec vous. Soyez bénis et à la prochaine. Que la grâce vous accompagne. Merci bien. Je crie à toi.